on continue un petit peu plus avec la continuité de mon réseau, de mon projet modulaire à l'échelle N, avec un module spécial créé par Bois Modélis pour mon viaduc. On voit ça ensemble. Bienvenue dans LF Modélims, c'est de suite. Bonjour et bienvenue dans LF Modélisme, votre chaîne qui vous parle de modélisme. Aujourd'hui, on se voit ensemble. Comme vous le savez, depuis quelques temps, je vous ai exposé mon nouveau projet de construction de réseau modulaire à l'échelle N. Et de ce fait, je vous ai exposé les plans. Je vous ai parlé également que j'allais constituer la base de ce réseau avec les modules donc créés par Bois Modélisme, et il y a un module spécial où il y a le viaduc, et c'est celui-là aujourd'hui que je vais vous présenter car il a été préparé par Maxime de chez Bois Modélisme. Ah pardon, excusez-moi. Ah bah tiens, justement, c'est Maxime qui m'envoie un message vidéo. Allez, on voit ça ensemble. Salut Loïc, salut toute la communauté LF Modélisme. Voilà, deuxième envoi pour tes modules sur mesure. Maintenant, je pense que tu as un peu de travail pour construire ton nouveau réseau. Bon courage à toi et à bientôt. Super sympa le message, Maxime, merci à toi. Ben oui, j'ai du travail. Ben justement, Maxime, aujourd'hui, je vais commencer par faire le déballage justement de ce colis que tu m'as envoyé, et je vais commencer aujourd'hui avec le montage justement du module spécial pour mon viaduc. À noter que vous pouvez retrouver tous les liens essentiels pour retrouver la page, le site de Maxime, Bois Modélisme. Vous allez voir une multitude de choses pour votre passion, le loisir ferroviaire. De ce fait, on va aller faire justement le déballage, le montage justement de ce module spécial pour mon réseau. À noter que il n'y a pas de petits et de grands projets, il n'y a que du plaisir justement dans le modélisme ferroviaire. Si vous avez une question, que quoi que ce soit justement pour la construction de votre réseau, pour les modules, etc., n'hésitez pas à écrire justement à Maxime, à Bois Modélisme. Il se fera un plaisir de vous répondre et de vous aider au mieux dans votre démarche. Voilà, il y aura donc tous les liens utiles dans la description de cette vidéo. Allez, c'est parti, on voit le déballage et la construction de ce module, mon module justement pour mon viaduc. Dans cette vidéo, il n'y aura que le montage donc du module, et on fera ensemble la prochaine fois la correspondance justement avec le montage et l'assemblage du viaduc dessus. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. Bien, allez, c'est parti, voici donc le colis qui m'a été envoyé par Maxime de chez Bois Modélisme. Alors c'est parti, allez, on va procéder au déballage, c'est de suite. Allez, ça y est, on arrive, on vient de finir l'ouverture du carton. On enlève donc quelques petites protections mousse et l'on découvre ensemble les matériaux, ces bois découpés au laser, et ça sent bon. J'adore cette odeur de bois justement un petit peu fumé là, j'adore ça. Bien, voici tout de suite un des éléments qui constituera justement le module spécial du viaduc que l'on va découvrir rapidement dans la vidéo et sa construction. Et voici donc quelques éléments supplémentaires, et il y a également à l'intérieur de ce colis un module donc de 90 par 50 que l'on assemblera dans une prochaine vidéo. Bien, mettons de côté à présent les éléments pour la prochaine vidéo et donc ce module de 90 par 50, et on va se concentrer sur la construction donc du module spécial, le viaduc. Voici donc tous les éléments enfin mis à plat, et je vais vous montrer le croquis de justement de montage en l'assemblage final. Voici donc les dimensions de mon module spécial justement pour mon viaduc.
Voilà, donc le viaduc se logera donc à l'intérieur, permettant de faire justement un relief négatif à l'intérieur de celui-ci. Voici une vue éclatée différente pour voir la profondeur et également la possibilité de faire vraiment un travail exceptionnel. Allez, c'est parti, on continue. Voici donc la pièce centrale qui ira donc sur les deux parties extérieures pour le dénivelé, le relief négatif. Les pièces de jonction sur les côtés avec les trappes d'ouverture. Et voilà, il vous faudra bien entendu de la colle à bois, donc transparente, et un petit papier pour vous essuyer les mains. Oh, pour les coulures, allez, c'est parti, le montage. Comme vous pouvez le voir, l'assemblage se fait d'une facilité. Aucune expérience en menuiserie est requise, franchement, à la portée de tout le monde, et vous allez pouvoir commencer à construire vos réseaux avec une grande facilité. Il est donc très simple d'assembler les pièces et il m'aura fallu à peu près 10 minutes pour faire la construction de ce module spécial pour mon viaduc, donc à la portée de tout le monde. Je souligne donc l'importance de ce genre de matériel quand on débute en modélisme ferroviaire. Il se peut parfois que l'on soit découragé à faire soi-même sa menuiserie et à en voir le résultat qui n'est pas celui que l'on désire. Ce genre de matériel donc que délivre donc Bois Modélisme et Maxime vous permet justement de ne rien rater et de vous faire plaisir rapidement dans l'exécution de votre projet de modélisme ferroviaire. Comme vous pouvez le voir, la partie centrale donc est terminée. À présent, nous terminons justement donc les côtés où va reposer l'établier donc du viaduc de part et d'autre, et on pourra faire donc un superbe décor donc en relief négatif avec les piliers qui se retrouveront en contrebas. Vraiment un super matériel, un assemblage facile, je vous recommande. Voilà, chers amis modélistes, la construction de ce module spécial est quasiment terminée. N'hésitez pas, bien entendu, à mettre un petit peu de pression avec vos mains, justement pour que la colle prenne bien. Et voilà, le tour est joué. Dans une prochaine vidéo, nous verrons ensemble justement la mise en scène justement du viaduc à l'intérieur de ce module spécifique. Bien, en conclusion, et je pense que vous l'aurez remarqué et sans doute vu, une construction rapide et simple, pas besoin de notice pour l'assemblage à la portée de tout le monde, que vous soyez débutant et intermédiaire confirmé. Voilà, c'est très simple, les produits et modules délivrés par Maxime de chez Bois Modélisme sont d'une simplicité à assembler, et d'ailleurs dans une prochaine vidéo, on fera le montage également des modules justement que j'ai commandé également, qui font 90 sur 50, et deux autres qui sont également de 100 sur 50. On fera donc l'assemblage de l'un de ces trois modules la prochaine fois pour vous montrer également la facilité d'assemblage. Les modules préparés par Bois Modélisme ont justement la particularité que pour vous, quand vous débutez en modélisme ferroviaire ou que vous habitez en appartement, que vous n'avez pas une grande superficie, que vous n'ayez pas les connaissances en menuiserie et l'outillage nécessaire,
de pouvoir commencer à vous faire plaisir rapidement en assemblant ce genre de modules et voilà, libre à vous de votre expression imaginaire ou réelle après dans le monde du modélisme ferroviaire pour vous faire plaisir. Eh bien, c'était très sympathique de vous présenter ce genre de produit. N'hésitez pas à poser vos questions. Je suis sûr que Maxime se fera un plaisir d'y répondre et moi également. On se voit très vite pour que je puisse bientôt mettre le viaduc à l'intérieur de ce module. Je suis vraiment très satisfait et heureux de pouvoir continuer assez rapidement ce projet. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À ciao ciao !